Cet entretien sera particulier puisque nous sommes cette fois-ci au domicile de Madame Claire Montoya, qui nous reçoit en présence de son frère Frédéric Maurice, qui fut architecte au cabinet de Marc Bias et qui, sans que son nom figure dans l'histoire, a construit beaucoup de bâtiments sur Hérouville. Donc nous avons à la fois une artiste qui a réalisé beaucoup de grands travaux monumentaux sur Hérouville et un des architectes de la ville. Et on a droit à une projection photo commentée. Alors, à l'époque des villes nouvelles, comme Hérouville, les architectes ont demandé aux artistes de réaliser des repères dans la cité. Nous avons donc créé une chouette, un oiseau, un dracard, des totems, et les stations de bus avaient les mêmes noms. On vous voit en pleine action, vous voyez en train de peindre les boucliers du dracard, par exemple. Ça a été fait ici même. Eux-mêmes, ce sont à l'origine des vasques en fibrociment. La décoration elle-même est réalisée en granulite. La granulite, c'est un sable de marbre mélangé avec de la résine. Et dans le marbre, on a toutes sortes de couleurs, sauf le bleu. Nous avons reproduit des éléments de bouclier viking. Le dracard lui-même est réalisé en béton blanc. Et puis les voiles en aluminium laqué. Cette granulite est posée à la truelle sur les boucliers. Alors moi, je me rendais pas compte, mais ils ont une certaine taille, en fait. C'est très lourd. Donc, vous avez réalisé les peintures des boucliers dans votre salon. Enfin, l'atelier, mais il a fallu les transporter après. Dans les escaliers, un par un, et le dracard lui-même mesure 10 mètres de long et 5 mètres de haut. Et donc là, c'est vous également qui êtes là? Là, c'est moi. D'accord. Et avec les enfants? Fondation du dracard. D'abord faire la coque. C'est impressionnant. Et alors, on voyait derrière les maisons du quartier du Bois. On est en quelle année, en fait? Le dracard, c'est en quelle année? 82. Ensuite, le coffrage est mis en place pour couler le béton. Béton blanc. C'est un très beau matériau. Ouais. Bon, c'est le terme de béton maintenant, toujours péjoratif, mais le béton blanc est très différent du béton gris. Vous avez une idée du nombre d'heures qu'il vous faut pour réaliser une telle œuvre? Moi, pour un an pour le dracard, un an de travail. Ah, c'est magnifique. Voilà un des garçons de la ville qui nous a le plus aidés, qui était tous les jours avec nous, qui habitait sur la place. On n'a pas la photo du dracard rempli de sable et puis les enfants qui viennent dedans? Vous pouvez nous raconter l'anecdote quand même, parce que moi, je n'ai pas l'image. On a cette photo. Lorsqu'on a retiré les barrières de chantier, il y avait tous les enfants autour qui attendaient. Et on leur a dit que je l'avais fait remplir de sable. Allez, voilà. Et super. On leur a dit qu'ils pouvaient venir jouer dedans. Voilà. Ah. Donc, le premier qui est arrivé a appelé tous les autres et elle leur a dit, allez, venez, c'est un bac à sable. Ah, voilà notre oiseau. Alors, l'oiseau est baptisé par certains l'aigle et par d'autres le pigeon. On va garder l'aigle et le pigeon. Mais ça fonctionne bien les repères, c'est-à-dire on dit bah, vous prenez telle rue et vous tournez à gauche au pigeon ou à la chouette. Et donc vous, vous étiez présent parce que finalement, comme ça se passe pendant les vacances scolaires, vous êtes dispo aussi ou... Tous les week-ends. Oui, voilà. Donc, tous les week-ends et puis le mois d'août. C'est un vrai sacerdoce d'avoir épousé une artiste alors. On voit bien les creux là pour les. Ouais. Les réserves en bois pour les surfaces. Alors ensuite, on remplit le béton, un grand coffrage, et on remplit complètement jusqu'en haut. Ah, oh, c'est intéressant, ouais. Ah, ça, c'est moi. Qui n'a pas encore ses couleurs. Non. Là, c'est juste les couleurs. Les réserves qui. Voilà, là, on est en train de mettre les couleurs. Et donc, le jeune homme met la main à la pâte, il pose la granulite avec vous. Ah oui, il a coupé. Il aimait beaucoup être là. Il y en avait d'autres aussi. Quand on a fait les totems. Ah, la chouette. Ah, voilà les totems. En fibrociment laqué. C'était rempli de béton. On avait fait un totem aux armes d'Hérouville. Oui. Ah ben voilà le. La crèche, la halte garderie. Et puis le pignon. Là, il fallait que ce soit une espèce de signal. La peinture fait 18 mètres de haut.
Il a fallu un sacré échafaudage, j'imagine. Ah ben là, c'est pas clair qu'il l'a pensé. Mais je suis montée sur l'échafaudage. Oui, mais... Parce que les peintres, ils aimaient bien tracer les lignes droites, mais pour les courbes, ça les embêtait. Mm-hmm. Et c'est moi qui étais reprendre toutes les courbes. Mm-hmm. Voilà nos enfants, donc. Raphaël à droite et Sébastien à gauche. Et les fameuses fresques de la crèche, qui étaient très gaies, effectivement. Oui, elle était très réussie, la crèche. Mm. Je dis pas ça, je devrais pas le dire, mais enfin. Bah si. Les enfants, ils m'avaient même aidé à peindre les fonds rouge et bleu. Et sur ce dessin-là, quand il y a des couleurs fauves un peu, on retrouve cette idée de flamme que finalement on retrouvera sur l'œuf après. De manière générale, vous êtes toujours très proche des éléments naturels dans votre création. Oui, parce que là, dans tous les sujets, il fallait que ce soit figuratif. C'était. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'en sais plus rien. ça a duré 10 ans quand même. Et au tout début, je crois que Sébastien n'était pas né quand on a commencé. Pour les premiers travaux, non, je crois. Mm. Donc oui, ça s'est étalé. Ah, c'est la première version du caillou sur un bassin qui était avec un fond comme ça, avec des pierres un peu dans tous les sens, comme ça, ils s'en servaient de dépotoir. D'accord. Et donc, effectivement, Madame Montoya m'a expliqué que c'était appelé le galet, alors que nous, on l'a toujours appelé l'œuf. Et on disait la place de l'œuf. Ensuite, il a été refait avec des flammes. Et toi, t'as apporté quoi comme documentation? Non, moi, j'ai retrouvé que... Mais il est tout petit, ce... Il faudrait qu'on allume, oui. Du chantier de bibliothèque et du cinéma. Voilà, et j'ai ça. Effectivement, même si votre nom ne figure pas officiellement, parce que vous êtes dans le cabinet de Bias, oui. C'est vous l'architecte de la... De ça. De ça bibliothèque, et des bureaux. Qui a fait des images. Et voilà. Et des fameux bureaux pas loin du centre commercial, en fait. Voilà. Que ça. Ouais. Véroville. Ça, c'est pas... D'accord, c'est autre chose. Ah, c'est quoi, ça? Finalement, vous disiez tout à l'heure que vous avez travaillé sur une longue période. Oui, parce que j'étais en soutien de M. Bias. Donc, quand il, par exemple, les chantiers, quand c'est lui qui pouvait pas, c'est moi, j'y arrivais. Sur les chantiers. Et finalement, il y a eu des bricoles terminées jusqu'à... Oui, on a dû finir aux années 90, par étapes. Vous preniez souvent le train? Je prenais souvent le train pour les chantiers. Voilà, ça c'est la granulite avec laquelle on a fait les boucliers. Donc ça se passe à la truelle. Mais on retrouve pas pour l'instant les mêmes couleurs. Là, d'accord. Frédéric Maurice. Deroux, puisque tu signes Deroux. Deroux, quand je suis peint. J'ai commencé l'architecture par le maquettisme, très jeune, en 1962. Et je suis rentré dans l'agence NS Bias UAU, qui avait gagné dans ces années-là le concours d'Hérouville-Saint-Clair, d'urbanisme d'Hérouville-Saint-Clair, ce qui m'a permis de vivre pendant 30 ans de cette aventure, 40 ans, 50 ans, voilà. Mais je suis heureuse de vous avoir retrouvé grâce à Madame Montoya, puisque pour moi c'est un complet hasard que votre nom ne figure pas officiellement, puisque c'était signé cabinet agence Marc Bias, quoi. Voilà. Madame Montoya. Eh bien moi, comme mon frère, donc les parents étant peintres, on a toujours vécu dans la peinture. Et puis ensuite, on est passé tout doucement à la sculpture, et puis à toutes sortes de techniques. Et la période d'Hérouville-Saint-Clair a été une grande, grande chance de pouvoir s'intégrer à un paysage, s'intégrer à une cité, avoir des échanges avec les habitants de la cité. Et justement, ce qui avait été très agréable et sympathique, c'est qu'il nous est arrivé de proposer plusieurs sujets aux habitants des quartiers, et ce sont les habitants qui choisissaient. Et donc nous sommes toujours restés en bonne harmonie avec aussi bien les adultes que les enfants de la ville d'Hérouville. Et puis les chantiers eux-mêmes, les projets étaient proposés aux architectes qui l'acceptaient ou pas, et sur concours quand même. Oui, c'était sur à chaque concours. Fois, ce qui est intéressant aussi. Et puis on essayait également de...
de rester en harmonie avec la ville, avec l'architecture. Et ça a été une expérience très enrichissante pendant plus de 10 ans. En dehors des peintures et fresques, la série des sculptures notamment, c'est ça qu'on appelle les lieux-dits. Exactement, les repères dans la cité, puisqu'il fallait des repères. Et donc, on nous avait demandé de faire des sculptures descriptibles en un seul mot, donc figuratives, et puis s'adressant aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Donc, j'ai privilégié les enfants. D'où le dracard, la chouette, l'oiseau, les totems. Et puis les fresques, toutes les fresques, nombreuses et variées. Et les enfants avaient presque envie de participer. Certains même sont venus nous, assez grands quand même, sont venus nous aider. Et nous espérons les retrouver. J'espère aussi. Vous mettiez à contribution votre famille, puisque votre époux vous aidait, vos enfants aussi. Énormément. Oui, et pendant ces vacances ou ces week-ends, donc pour les très gros travaux. Et puis il a fallu prendre avec nous deux maçons quand même, parce que les grands coffrages de 5 mètres de haut, il faut être quand même plusieurs. La partie technique est très très importante, mais tout était bien mis au point au préalable. Voilà. Le fait que Mme Montoya ait été informée du fait qu'il y avait ces concours, c'était lié aussi un peu à votre présence dans l'agence ou pas? Oui. On s'entendait très très bien avec M. Bias, qui était très ouvert. Quand on construit une ville nouvelle, ben, personne ne la connaît. Donc il faut pouvoir se repérer à l'intérieur. L'Aéroville Saint-Clair, c'est une espèce de fleur. Il dit la Marguerite. Des quartiers qui sont un petit peu circulaires, d'ailleurs avec un giratoire, avec un jeu de sens unique. Pour s'y retrouver dans cette ville, il fallait construire des repères une fois que les bâtiments étaient là, parce que personne ne connaissait personne, enfin surtout le lieu, quoi. Il fallait construire son histoire. Alors, d'autant plus que la numérotation est particulière, donc c'est aussi les urbanistes qui ont eu cette idée de quartier qui allait de porte 1 à porte 10. Oui, il y a des portes, puisque les quartiers sont accessibles toujours, moi j'appelle ça des pétales de fleurs. Ces pétales de fleurs sont accessibles de l'extérieur, c'est un schéma très végétal, hein. Donc il y avait des portes tout autour. Et on se retrouve à l'intérieur et on traverse que à pied, même pas en voiture. Tout à fait. Voilà. Parking à l'extérieur et puis les petits collectifs aussi sur les extérieurs et les plus grands immeubles au centre des quartiers, avec un petit centre commercial par quartier. Au départ. C'était l'idée. Ils ont été tous réalisés, sauf celui du Val et du Bois, puisque Carrefour, le grand Carrefour, a été construit dans le Val. Et du coup, le Bois, il y a eu un temps une épicerie, mais ils n'ont pas été jusqu'à faire un centre commercial. Et aujourd'hui, justement, au Grand Parc, c'était le Galet était juste à côté de ce centre commercial qui a été détruit pour refaire un pôle médical, d'où le déplacement de l'œuf. Enfin, de l'œuf ou le galet, on s'en mêle, parce que nous, on a l'habitude de l'appeler l'œuf, voilà. Le centre commercial a été ramené sur l'avenue de la Grande Cavée parce que le tram est arrivé entre deux et qu'ils ont voulu mettre des commerces le long. Oui, c'est une bonne idée. Je pense qu'il fallait le faire, de mettre des commerces le long de la Grande Cavée. Ça fait combien d'années que vous n'êtes pas venu à Hérouville, l'un et l'autre? Une quinzaine d'années. Et vous, très longtemps? Il y a peut-être une vingtaine d'années ou plus, une vieille amie des Beaux-Arts qui est sculpteur. Et je lui avais dit, tiens, il faudrait qu'on commence à rénover le dracard. Oui. Et puis ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Il faut les restaurer. Il faut trouver les matériaux. Comme elle signale la ville, elle permet de se repérer. Écoutez, c'est peut-être l'occasion de ressouffler l'idée dans l'oreille de Monsieur le maire.